Radio-Canada. Les voici. Les voilà. Cruchot. Et délicat. Les voici. Les voilà. Cruchot. Et délicat. Alors nous pourrons le revendre et ainsi faire des bénéfices qui iront dans le conseil de survie. Voilà, délicat. Que tu ne l'aimes pas, délicat. Il est pourtant très beau, zut. Mademoiselle Sainte-Bénite a dit que c'était un vrai chef-d'œuvre. Et l'antiquaire aussi. Mais c'est pas ça, Grouillot. Regarde, Grouillot. Qu'est-ce qu'il y a, zut? Regarde. Qu'est-ce qu'il y a, zut? Je fais rien. Là, Grouillot, là. C'est pas possible. Viens le tenir, délicat. C'est pas possible, je te jure, c'est pas possible. C'est pas possible, je te jure. L'antiquaire a dit qu'il y en avait un seul dans le monde entier. Chut. Où l'as-tu acheté, délicat? Puis je ne l'ai pas acheté, Grouillot. Où l'as-tu trouvé, tu? Je ne l'ai pas trouvé, Grouillot. Délicat, ce n'est pas toi qui as fait ça. Oui, Grouillot. C'est toi qui... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est toi qui as fait ça. Mais quoi, Grouillot, je dis? Avec ces crayons-là? Oui, Grouillot. Chut. Tu as fait ça? Comme ça, délicat? Mais non, Grouillot. Pas comme ça, Grouillot. Comme ça, Grouillot. Comme ça. Chut, comme ça ou comme ça. C'est pas ce que je veux dire, délicat. C'est toi, délicat, qui as dessiné ça? Mais oui, Grouillot, je te dis, c'est moi. C'est pas possible, Ludovic. C'est pas possible. C'est un chef-d'œuvre, délicat. C'est un grand peintre qui l'a fait. Tu ne peux pas, toi aussi, faire un chef-d'œuvre. Tu ne sais même pas dessiner, Ludovic. Qu'est-ce que je te dis, Grouillot, que c'est moi qui ai fait le dessin, Grouillot? Je te le dirai à toi, Grouillot, si tu n'avais pas fait le dessin. Mais c'est moi qui l'ai fait le dessin, Grouillot. Je n'en reviens pas. Tu sais combien l'antiquaire le vaut, le tableau, délicat? $40, délicat. C'est beaucoup, $40. Évidemment, si tu penses que dans 10 ans, ils vaudront 30 fois plus, 40, multiplié par 30, 0 fois 0, 4 fois 0, 4 fois 3, tout 1200$, délicat. Évidemment, à ce moment-là, 40, ça n'est pas beaucoup. Et c'est toi qui as fait ça? Je ne reviens pas. Délicat? Tu es un chef-d'œuvrier. Un quoi, Grouillot? Un chef-d'œuvrier, zut! C'est quoi ça, un chef-d'œuvrier, Grouillot? Un chef-d'œuvrier, c'est un chef-d'œuvrier! Chef-d'œuvrier! C'est le cas! Tu es un chef-d'œuvrier! Ouh! Ah, je sais pas quoi faire, moi, zut! Délicat, je te dis, je ne sais pas quoi faire.
Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire quoi, Gojo? Délicat. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Celui-là, il ressemble à celui-là. Donc, c'est un autre chef-d'œuvre. Donc, nous avons deux chefs-d'œuvre, Délicat. Un plus, ça fait deux. Nous avons deux chefs-d'œuvre. Alors, c'est notre chef-d'œuvre, Délicat, pas chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Ça fait combien, Délicat? Un plus, ça fait 30. $80 Ça fait $80 Combien font 80 dans 10 ans multiplié par 30, Délicat? $24 $2400 Chut. Je n'en reviens pas. Délicat, est-ce que tu te rends compte? Ça fait rien, ça fait 2400. Ça fait rien, j'aurais pas pu. Je sais pas jusque-là. Délicat, est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente pour le conseil de saucisson vie? Je sais pas, moi, Grosjean. Évidemment, tu peux pas savoir, toi. Toi, tu es un chef-d'œuvre, Délicat. Un chef-d'œuvre. Allô. Au lieu de téléphoner au chef de sortie pour lui demander conseil, nous allons sonner le conseil d'urgence. Dis. Non, je vais téléphoner au chef. Nous allons, Délicat. L'heure est grave. Très, très grave, Délicat. Il faut absolument... Bonjour! Je pensais oui, que je me suis dit... Nous savons. Vous venez nous dire bonjour, alors donc vous nous dites bonjour. Parfait. Non, je dois dire franchement, M-O-M, non. Je ne suis pas venue tout à fait pour vous dire bonjour. Je suis venue pour prendre des nouvelles du tableau. Est-ce que le maire Délicat aime le tableau? Justement, mademoiselle Saint-Denis, c'est là le problème. Il ne l'aime pas. Non, pas du... C'est pas ça, c'est... Venez avec moi. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? La clôture? À part ça. Mon Dieu, la corde à linge, le poteau, la fenêtre au-dessus de la niche, le toit de la niche... Par en bas, tu... Par en bas! Je dois le dire! Mon Dieu, mais il y a deux tableaux, je dois le dire, deux tableaux. Oui. Mais où l'avez-vous eu? L'autre tableau. Oui, l'autre tableau. Voyons, tableau. Là. Dans la niche au maire Délicat. Non, je te jure, là. Là, où ça, là? Délicat, c'est moi, le chef d'œuvrier. Chef d'œuvre? Oh, et puis c'est Délicat, c'est lui. Mais c'est lui quoi? Le chef d'œuvrier? Pardon? Le chef d'œuvrier! Oh, elle est sauve, mademoiselle Saint-Denis. Je vous demande franchement pardon, il y a une différence entre ne pas entendre et ne pas comprendre, je dois le dire c'est franchement. C'est pourtant simple, zut, chef d'œuvrier. Délicat. Oui, Grégio, c'est pourtant simple, chef d'œuvrier. Chef d'œuvrier, chef. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Zut, elle n'a rien compris. Délicat, là, c'est lui qui a peint le tableau. C'est lui qui... Non! Oui! Non! Oui! Non! Oui, j'ai dit! Dans mes bras! Dans mes bras que je vous prends!
mon Dieu. Dans mes bras que je vous embrasse. Oh, je me précipite. Mais ce ne fut pas désagréable, je dois le dire. Ce ne fut pas désagréable. Or donc, où en sommes-nous? Nous en sommes que nous avons un génie peintre dans ce Sissonville. Inquiète-moi, Grosjean. Mon Dieu, mon Dieu. Et que ce génie peintre... Inquiète-moi, Grosjean. Oui, dis. Excellent. A peint un tableau qui ressemble au chef-d'œuvre que nous avons acheté chez l'antiquaire. Mon Dieu. Dans mes bras que je vous prends. C'est vrai, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Or donc, où en sommes-nous? Eh bien, il faut absolument semer le conflit d'urgence. Délicat, veux-tu, s'il te plaît? Délicat! Où est-il passé, je te dis? Délicat! Oui, Grosjean. Il faut sonner le conseil d'urgence. Je peux pas, Grosjean. Le génie qui est moi, il peut pas, Grosjean. Pourquoi, Délicat? Parce que le génie qui est moi, il est un génie. Et puis un génie, il peut pas sonner le conseil d'urgence. Il est vrai que vu sous cet angle, délicat, c'est... Délicat, tu peux être un génie et sonner quand même le conseil d'urgence. Ah! Bon, franchement... Silence! Ce n'est pas nécessaire de crier comme un... Silence! Je prends le chef-d'œuvre. Excellent. Oh, c'est un vrai génie, je te suis, regardez-le. Pardon? C'est un vrai génie, je dis, regardez-le, peintre. Mais parlez plus fort, j'entends pas ce que vous dites. Je te suis, c'est un vrai génie, je dis, regardez-le, peintre, je te suis. Je peux pas travailler comme ça. S'il vous plaît. Vous comprenez, je pense. Excellent. Que je suis pas content. C'est nécessaire de crier comme un... Le génie qui est là! Je ne pouvais pas pondre quand il fait du bruit. Ah! Je ne peux pas travailler comme ça. Je ne peux pas. Je te jure, Délicat. Tu es un génie, Délicat, tu ne peux pas t'arrêter. Je ne peux pas. Pensez à tous les chiens de Sissonville. Oui, Délicat, nous vendrons les tableaux et tous les chiens auront le chauffage central dans leur niche. Oui. Je ne peux pas. Mais vous pouviez tout à l'heure. Et tout le bruit. Oh. Quand vous parlez, ça va... Et puis les oiseaux qui pipi. Et puis le vent qui souffle. Et puis les feuilles qui bougent. Et puis je ne peux pas. Délicat, chut. Le génie qui est moi, il est fatigué. S'il vous plaît, le génie, il est épuisé. Mais faites-en au moins un autre pour prouver que vous n'avez pas copié le premier. Oui, Délicat. La tête de mon génie, elle est vide.
Elle est vue. Je peux pas. S'il vous plaît. Je peux pas, je peux pas. Délicat, chute. Je peux pas, je peux pas. Le bruit et tout ça, le bruit. Je peux pas. Oh, chute. Réfléchissons. Oui, réfléchissons. Le génie, il est fatigué, j'ai dit. Je peux pas. Chute. Délicat. Si tu étais un grand peintre et que le bruit t'empêchait de travailler, qu'est-ce que tu ferais, Délicat? Ah, mais c'est pas moi, Grugio. Délicat, réfléchissons. Oui, Grugio, réfléchissons. Si comme l'œuf de Frisco-Colombi. Grugio. Oui, Délicat. Je boucherai mes oreilles comme ça, Grugio. Et puis le bruit, il sera plus là, Grugio. Délicat, c'est une excellente idée. Mademoiselle Sainte-Bénite, auriez-vous quelque chose, un objet quelconque, pour boucher les oreilles de Délicat, s'il vous plaît? Mon Dieu, j'ai peut-être quelque chose à la maison. Et j'ai trouvé, je reviens tout de suite. Elle est bien gentille, Mademoiselle Sainte-Bénite, mais que je n'aime donc pas ça quand elle crie comme ça, que je n'aime donc pas ça. Délicat. Maintenant que tu as trouvé, tu peux redevenir un grand peintre qui n'aime pas le bruit. C'est ce que je fais, Cruz. Parfait. Il faut absolument que tu peignes un autre tableau aujourd'hui, Délicat. Ça va nous faire 3 tableaux à 40 de l'heure, Délicat. 40 multiplié par 3, 3 fois 0, 3 fois 4, 12, 120 dollars. Ça vaudra, dans 10 ans, ça vaudra 30 fois plus. 0 fois 0, 3 fois 0, 3 fois 2, 6, 3 fois 1, 3. 3 600 dollars! Zut, je n'en reviens pas! T'es rendu compte, Délicat? Que ce bruit m'exaspère, que ce bruit m'exaspère! Mais quel bruit, Délicat? Tu comptes trop fort, Grugio! Et puis ce bruit, ça dérange le génie qui est moi! Parfait. Mademoiselle Sainte-Bénite, voulez-vous aller dans la niche chercher un chevalet d'étoiles et des crayons? Tout de suite. S'il vous plaît. J'allais oublier le s'il vous plaît, tout de suite. Génie Délicat, entendez-vous encore du bruit? Beaucoup trop de bruit. Ça m'exaspère. Le silence. Le beau silence. Parfait. Je vais pondre. Le génie qui est moi, il va avoir des crayons. Et puis tout. Mademoiselle, vite, c'est le moment. Vous m'apprécipitez. Je dois le dire, vous m'apprécipitez. Voilà. S'il vous plaît. Éloignez-vous. Je prends. Zut, c'est un vrai génie. Excellent. Que je le connais, que je le vois, que je le touche, que je pourrais même avec un peu de doigt. Je ne pourrai jamais m'habituer à l'entendre crier comme ça, jamais. C'est un paquet qui était à la maison avec une lettre. Chère Mademoiselle Sainte-Bénite, je vous envoie cette peinture par mon commissionnaire. Le tableau que vous avez acheté avec le maire Grugio est faux. Je me suis trompée. Mon Dieu. Cependant, pour corriger cette erreur, je vous donne sans aucun échange cet authentique chef-d'œuvre qui vaut le double du premier, 80 dollars. De m'excuser. Je vous prie d'accepter l'expression de ma haute admiration pour votre goût des belles choses, votre dévoué Gédémite antiquaire. Chut. Alors, Délicat, il n'est pas un génie. Non. Je dois le dire franchement, non. Non seulement il n'est pas un génie, mais il n'est même pas un dessinateur, même pas un vulgaire barbouilleur, je dois dire. Et ça, Mademoiselle Sainte-Bénite, c'est un chef-d'œuvre. Oui. Oh, chut. Délicat, tu peux t'arrêter de peindre, tu n'es pas un génie. Bon, qui
il faut dire la vérité en face, tu te jures même si elle est cruelle à des appuis. Oh, génie! Et c'est là, et c'est là, et c'est là. Voilà, d'œuvres anciennes et nouvelles! Fouche de fruyer, comme vous dites! Faiseur de tableaux à 16 cents! Me faire croire à moi que vous êtes un vrai génie! Mais c'est fini! Venez voir, s'il vous plaît! J'arrive! Franchement, que c'est beau, mon Dieu! Ça, c'est un chef-d'œuvre! J'ai redit ce que j'avais à dire. 2400. Laissez-moi le revoir, s'il te dit. C'est un chef-d'œuvre, mademoiselle Sainte-Pélie. Un vrai chef-d'œuvre. Vive ce Sissonville. Vive le chauffage central de ce Sissonville. Si je pouvais rencontrer l'auteur de ce chef-d'œuvre, si je pouvais le voir, le toucher, le. Le génie qui est moi, Crujot, il a fini son chef-d'œuvre, Crujot. J'ai quelque chose à te dire. Oui, Crujot, le génie qui est moi, il a fini le chef-d'œuvre, Crujot. Tu n'es pas un génie, Zélica. Tu n'es pas un génie. Oui, Crujot, j'ai fini le chef-d'œuvre, Crujot. Il est là. Écoute-moi bien, Zélica. Tu n'es pas un génie. Regarde, Crujot. Tu... Oui, Crujot. Non. Mais oui, Crujot, regarde. Non. Oui. Délicat, tu es un génie. Hein? Tu es un génie. Hein? Tu es un génie. Tu... Mais oui, je sais, Crujot. Tu l'as dit au génie qui est moi tout à l'heure, Crujot. Et puis, je voudrais avoir une autre toile, Crujot, pour faire un autre chef-d'œuvre. S'il vous plaît. Tout de suite, Délicat. Mais il y a deux tableaux, deux tableaux, je dois le dire, deux tableaux. C'est Délicat qui l'a fait. C'est Délicat, le maire Délicat. Dans mes bras, génie. Dans mes bras que je vous embrasse. Dans mes bras, génie de son 600 000. Crujot et Délicat sont partout en vacances, on les pied dans les plats, pour partout réjouissance. Crujot et Délicat s'amusent en cadence et ne s'arrêtent pas de courir les vacances. Les voici, les voilà, Crujot et Délicat. Les voici, les voilà, Crujot et Délicat. Crujot et Délicat aiment les embarras. Crujot et Délicat aiment le patatras. Les voici, les voilà, Crujot et Délicat. Les voici, les voilà, Crujot et Délicat. Crujot et Délicat sont de joyeux vivants. Crujot et Délicat qui aiment les enfants. Les voici, les voilà, Crujot et Délicat. Les voici, les voilà, Crujot et Délicat. Crujot et Délicat sont partout en vacances, on les met dans les plats. Ici Radio-Canada.